Nous, Fight Ski Club, on ne fait rien comme tout le monde. Pour traverser l'Atlantique, eh bien devinez quoi, on prend l'avion. Oui, je sais, on est trop des rebelles. De l'autre côté, c'est la grande vie, les X-Games, le rêve du rider américain. Et nous, on rêvait en grand. En attendant notre tour, on a joué les touristes. Et au final, plutôt que de tourner en rond, on a commencé à faire n'importe quoi. Hey! Mais Garpool, le rêve américain! Attends, je me mets sur le bord. Who is this? Yeah. C'est Hulk. Lâche! Lâche! Excellent. Je suis en train de mettre la misère. Ah, j'en mets plus un seul là. Oh, j'enchaîne. Bien vu. Merde. Fallait vite se remettre en selle. On n'était pas venu à Aspen pour mater les hôtesses. Quoique. Perso, une médaille X Games manquait terriblement à mon tableau de chasse. Visiblement, j'étais pas le seul dans ce cas. Le combat s'annonçait rude. Dans le Colorado, il n'y a pas que les voitures et les gâteaux qui sont gros. Tout le monde voulait sa part. No X Game, pour manger, ce n'est pas 4 adversaires dont tu dois te défaire, mais 6. Pour une fois, le dernier virage, il y a quand même malgré tout moyen de faire. Pourquoi ? Parce qu'à 6, en arrivant là-bas à 6, et vite les embouteillages. Yeah, attendez pas jusqu'au fond pour attaquer comme des malades. Hein. Une vraie foire d'empoigne. Ou plutôt, du rodéo. Heureusement qu'au Fight Ski Club, on est bien entouré. Ça, c'est Dayan, le kiné. Il n'a pas besoin de te masser pour te décontracter. Ça te plaît, ça, hein? Alors, Jean-Fred. Radio's ready. On tourne. Et lui, c'est Mitch, le seul coach qui parle au mur. Et un peu plus de vitesse, les gars, on travaille bien, on y va, allez. Un bloc, les gars, un bloc, allez. C'est terminé à l'attaque, les gars, allez. Tu exploses et tu maîtrises, toi aussi. Un bloc. On explose au départ et on maîtrise, allez. À l'attaque, un bloc. Avec eux, ça sent la testostérone à plein nez. À côté, nous, les coureurs, on pourrait passer pour des danseuses. Certes, un peu raide quand même. En revanche, question alimentation, on faisait moins dans la dentelle. Surtout Bobo. Regardez quand il fait. Je connais pas, petite. C'est bon, stop, tu fais quoi là? À manger, petit, si tu es un vrai montagnard. Avec l'arrivée des premières qualifs, on est vite monté en pression. Entre toi et moi, niveau confiance, j'étais pas au top. Ouais, j'espère qu'ils vont bien mettre du bleu et tout, sinon on voit rien quoi. Ouais. Là 6, je suis pas sûr que ça passe sur ski. Putain, là ça m'a fait putain de freiner. Je me suis mis putain de course, ça m'a secoué les chaussettes. Pour moi c'est pas possible, c'est pas la bonne taille. Moins robe que JF. Regarde, même les filles, elles ont des plus petits trucs. Voire même plus au fond du trou.
D'ailleurs, j'étais pas le seul. La série des boîtes en ce moment. Je chie un peu mal là au fond du dos, mais je pense que ça va aller, c'est sur le coup. Petite pousse un peu défoncée. La vie. Et je peux te dire que quand Beauvau est philosophe, ça ne présage vraiment rien de bon. C'était à moi de grimper sur le ring. J'avais mon destin entre les mains. J'aurais mieux fait de l'avoir entre les jambes. Attention! Racers ready! Attention! J'ai attaqué tout doucement, trop doucement. J'ai ensuite évité la correctionnelle. Ouais, bah les autres ils sont rentrés dedans. Je me suis arrêté, mon beau, je me suis arrêté en train de mec et tout. Mais au final, j'ai fini en échoue. Viens dans l'année prochaine. En langage Fight Ski Club, ça veut dire je me suis fait sortir et j'ai crabé les rôles. Il nous restait une dernière cartouche, Bastos. Hey, on pouvait compter sur la muraille pour tenir bon et sauver l'honneur du Fight Ski Club. Peut-être un peu moins pour communiquer. À lui les honneurs. Les accolades, les bisous, les filles et tout mon soutien. T'aurais pu bouger un peu plus dans la guitare. Fallait fêter ça dignement. La tempête de neige avançait. On a opté pour une virée en bagnole entre potes avec du gros rap rythme. Attends, ça promettait. Je compte le premier virage. Évidemment, on a fait les barbares et forcément, on s'est fait repérer. Dans la hâte, j'ai dû improviser dardard une nouvelle règle du Fight Ski Club. Face aux flics américains, fuis comme un lapin. Surtout si tu veux rentrer chez toi, à Val Thorens, en Fight Ski Club.